Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et les gars, le petit pote, c'est Bricou, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de tech, les gars. Je pense que j'ai vu gentil, on va faire double flux. Avant que les vidéos commencent, les gars, très important, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu, ça me soutient vraiment énormément. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est important vraiment pour le financement de tout ça. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à venir sur mon Insta, les gars, qui est en description. Et puis voilà, j'avais que ça à dire, donc bah, je vais peut-être présenter le deck avant. Donc petit double fût les gars, on a Minotaur à bombe, l'armée squelette et les Valkyries. Très important, double fût pour aller évidemment attaquer, comme ça avec un plus princesse en défense. Et puis nous sommes en 5-1 les gars, donc c'est parti contre Dan Léon de The Legend Ser. Allez c'est parti, petit fût squelette ici pour commencer. On est bien ici pour le placement, pour que il ira sa tour à bombe, tu vois, ou son bâtiment. Ok, très bien, il y a un zap, ok. On va cycler la chebu. Hop. Ok, ouf, ok, bon là on va l'attaquer par contre. Ouah, Golden Elixir, ça commence très très bien. Ça commence très très bien. Oh là 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 là, oui, première game va être tendue, hein. Ouais, je vous le dis, cette game. Ok, on va mettre la princesse, je pense que peut-être, ouais, vas-y, on met le prince quand même. S'il fait quoi, D2, barbare d'élite. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Ah ouais, énorme le type hein. Là il a une très bonne bûche. Hop, qu'on va tout de suite prendre. Et la première défense qui passe vraiment bien. Donc ça c'est clean. On va aller prendre quelques dommages mais c'est rien de dramatique. Donc on va tout de suite aller mettre une pression. Hop, j'ai une princesse au pont là-bas. Comme ça je vais tout défendre en même temps. C'est chiant pour lui. Il va perdre la tour de droite. Ça nous arrange. Ok, là on continue de la pression, on laisse pas, on laisse plus là, on laisse plus vivre. Et là ça part Golden Elixir, c'est la sauce. Ok, pas de Golden Elixir devant s'il te plaît gros. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'élixir. Hein. Ok, tant mieux, allez, petite Valkyrie. Là il faut se remettre dans un cycle correct, donc je vais juste cycler Fier Goblin pour essayer de mettre une pression. Et on se remet dans un cycle bon, donc là on a un bon cycle, c'est bon. Pourquoi on est sur le bon cycle? Parce que si je mets la tour à bombe et je mets la princesse, j'ai mon armée squelette et c'est très important pour contrer ces barbares d'élite. Donc on va tout de suite mettre une pression encore une fois. Ok, petite pression. Histoire de ne pas le laisser vivre, il est obligé de rage défensif. Hein. Ok, il met des flèches en plus, ça fait 5 dans le vent, ça fait cher, donc on va mettre une princesse au pont. Je pense que ça peut être relou pour lui. Ok, il est obligé de diluise. Là je vais juste mettre une bûche pour la fin, je pense. Et j'ai mis une bonne bûche. Je pensais l'avoir raté, honnêtement. Ok, là c'est le moment. Le moment faut pas faire. La défense. Il va mettre un Fier Goblin en pression quand même. Je pense qu'il va pas le défendre plus que ça. Bon, allez, il met des barbares d'élite. Logique. Allez, petite princesse dans le fond du terrain. Alors, ce que je vais faire, les gars, pour défendre, c'est mettre un Fier Squelette ici. Hop, comme ça. Voilà, nickel. C'est ce que je voulais. Là, on va la mettre l'armée squelette ici. Deux golems d'élixir. Il va falloir faire attention. On a évidemment la petite. Rien du tout, attendez, c'est la PLS. Sûrement perdre la tour. Et c'est pas très grave puisqu'on a bien endommagé. Voilà pourquoi je voulais absolument avoir de l'avance, c'est parce que je savais que j'allais pas pouvoir tenir une défense entière. C'est très dur à défendre le golem d'élixir. Là il va y avoir forcément zap, sinon il va tout simplement perdre sa tour. Là on est vraiment bien. Hein. Là on commence à avoir pas mal de troupes sur le terrain. On va remettre une pression de toute façon. On va pas le laisser vivre, hein. Je vous le dis, on va pas le laisser vivre ce golem d'élixir. Hop, on continue de mettre la pression, on a 3 princesses sur le terrain. On va aller mettre un gobelin sur le bac à des points aussi. Il a seulement son zap. Il met des barbares d'élite, très bien. On va aller mettre une 4ème princesse sur le terrain. Et là, croyez-moi, les barbares d'élite vont disparaître de la circulation. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a plus de barbares d'élite. Le débat est clos et on va aller prendre cette première mine. GG Wildflight, ça fait plaisir. Bon, golem d'élixir, vraiment bon matchup pour nous. Le mec n'avait pas de tornade, après il a quand même flèche zap, enfin ouais. Merde. Ouais, bon, le mec avait quand même flèche zap, il n'avait pas de tornade dit dragon électrique, donc ça va. Allez, c'est parti, deuxième game contre MP Club America. Ok. Alors, on va mettre le petit feu à gobelin ici. Hop, tranquillement. Ok, barbare d'élite encore.
Cette carte qui a l'air de beaucoup aimer, hein. Barbarite, deuxième game, Barbarite, hein. Ok, Titan des squelettes, on a Valkyrie, s'il a un zap. Voilà, on va lui mettre une pression avec le Fiasco, puisque c'est qu'il n'a plus de zap, du coup. Et là, déjà, c'est la sauce pour lui. Il nous joue un deck bizarre, hein, le frérot, en face. Ok, on va aller mettre la petite princesse ici, pour les défendre et mettre une pression. Hop, voilà, nickel. Petite pression. Zappy par Barbarite. Ouh, ça pue le jeu comme la mamie, ça. Ah, moi, je vous le dis, les gars, ça sent pas bon, là. Ça sent pas bon, là. Ok, est-ce qu'il mange un gobelin au pont? Non? Bah si, j'ai un gobelin, merde, j'ai un... Oh merde, oh la sauce. Est-ce que... Ouais, ça va. Bah moi, il a pas recyclé son zap. Après, faut que je fasse quand même gaffe. Normalement, ça défend. Hop. Voilà, le gobelin Samaken qui fait... Gobelin Samaken, allô. Hop. Merci. Ok, c'est bon. La défense qui est clean. On a la Valkyrie, si nous joue, c'est Barbare d'élite. Il va devoir mettre un zap, on va aller mettre une pression, évidemment, on va pas le laisser jouer là. Très important, ok, met des gargouilles. Là, on va pas défendre les gargouilles, tout simplement, parce que sinon j'ai plus d'élixir, donc on va se calmer. Parce que sinon, si des barbares d'élite au pont, là, j'ai pas vomito, les gars, ça va être la sauce. Ce que je peux tenter, c'est ça, pour qu'il mette ses barbares d'élite. Oh là là, oh le préchat, ça fait plaisir ça. Ah, quand ça arrive, ça donne le smile, là. J'ai pas vomito, sachant que je sais qu'il a plus de zap. Ah, ça fait plaisir ça. Ouais, bien mis la tour à bombe bien opposée pour que le gobelin il puisse aller là. Donc les appuis ne focus pas. Ok, est-ce qu'il va mettre le. What? Il le met derrière. Ok, why not? Ouais, c'est très bien joué de sa part ça. On va voir l'alternative sur la Valkyrie parce que ça aurait pu coûter la tour. Hein. Ah, ouais, je vous le dis là, les appuis qui splash là, ça aurait pas fait plaisir. Hein. Ok, c'est bon, tout est sous contrôle. Allez, on repart en pression. N'hésitez pas à mettre le Fio Gobelin en premier pour que le Fio Gobelin soit un maximum le plus longtemps possible tanké. Et on va aller tout simplement prendre cette tour. Ok, maintenant, juste à faire... Merde, j'ai mis de la mauvaise côté, c'est pas grave. Oh, il suffit de ses barbares d'élite, intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger notre princesse déjà, pour commencer. On va pas protéger notre princesse, parce que là, je sais qu'il en zappe. Voilà, je m'en doutais. Et voilà la défense qui est clean encore une fois. Normalement tout ce qui est d'expert c'est en général bon. On a un bon matchup parce qu'on a avec plutôt contrôle, plutôt cycle. Donc il n'a pas forcément des sorts qui recyclent vite et tout. Donc il y a moyen de très vite le déborder en défense et puis voilà. Donc on a fait deux matchups compliqués. Hein. Si vous savez pas bien jouer le deck, c'est très compliqué de gagner ce genre de matchup. Gwen d'Elixir et Zappy. Donc ça fait plaisir de gagner ça. Voilà son profil. Voilà, voilà, il y a quand même 7K, hein. Il y a quand même 7K les gars. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, allez, c'est parti. Troisième game. Ok, donc là, ce qui vient, c'est qu'on a double fût. Donc là, on peut mettre double fût first play. Hop. Ok, voilà, une petite idée dans le vent. Parce que là, du coup, c'est sa bûche là ou sa bûche là. Il a un colis, très intéressant. Là, c'est un colis qui a fait une très bonne défense. Il a un squelette à gérer. Cochon. Ok, il a sûrement remplacé les cochons royaux par les par le cochon. Je suppose, hein. C'est du cochon, c'est du cochon, j'ai rien dit. On n'a pas un bon match-up, hein. Cochon, c'est la sauce. Ok, bon, là, on va devoir jouer sur le princesse au pont. Ah non, ok, attends, la tête remplacée, je sais pas. Mettre bien une princesse opposée. Ok, petite princesse opposée, toujours, hein, pour éviter les values de sort. Ok, petit fût à gobelin, on va voir ce qu'il fait, ce qu'il utilise, ce qu'il n'y a pas. Ouais, bon, c'est bien ça, il a remplacé le fût. Il a remplacé quand ça ouais, j'ai perdu le nom. Il a remplacé les cochons royaux par le cochon. Ok, là on a le tour à bombe. Il a raté son séisme. Oh là là, ça va coûter cher ça. Croyez-moi, ça va coûter cher ça. Parce que là, on va tout simplement mettre une double princesse au pont. Hop. Et là, bonne chance pour la défense, frérot. Choisis ton côté. Bien évidemment, il peut protéger cette princesse. Et là, les gars, ça fait plaisir là. Et là, frérot. Ah ouais, attends, c'est Pitouche là. Et oui. Ah, ça c'est des news qui donnent le smile ça. Ah là, on va bien gratter. Ok, ça c'est plutôt clean. Pour une première défense. Enfin, pour une première minute. Ok, là, mets bien la tour bombe bien haute. Avec tes séismes. Normalement, s'il le passe bien, tu peux avoir les deux. Mais il a pas assez remplacé ses séismes. Donc tant mieux. Allez, on repart en fuit squelette. S'il met une reine au pont, on a l'armée squelette. Ok, s'il met une cage, c'est parfait. On a le gobelin Samaken.
Là, est-ce que je vais regarder pour la reine? Et qu'est-ce qu'il doit garder sa bûche pour mes fûts. Donc il pourra pas l'utiliser. Je pense que je vais aller protéger mon gobelin sur la canne comme un gros relou. Ouais, ok, j'ai dit elle a raté son colis, mais il ne l'a pas raté, bien joué de sa part. Va mettre la tour à bombe bien haute. Ok. Voilà, mettre le feu squelette. Merde. C'était pas ouf ça. Ok, peut-être tenter la bûche ici. Ouais, nickel. Parfait. Hop, ça c'est chiant pour lui. Il a besoin d'esprit de feu plus des squelettes. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher la défense. L'armée squelette par contre. S'il met son 6, là c'est la sauce. Ouais, bon, c'est la gobelin sur laquelle qui se retourne. J'ai de la chance que le gobelin sur laquelle se retourne. Parce que là, ça aurait vraiment pu être la sauce par contre. Voilà, mettre ça. Là, il est obligé de défendre. Ok, très bonne défense de sa part. Il rajoute. Alors, par contre, là, il a fait de la merde. Il a acheté colis plus esprit. Oh, attends, t'as pris comment autant de dégâts là? Ouais, attends, faut que je me concentre moi. Ok, petit fût, petit ça, tranquille. On va mettre une princesse pour, comme ça. On va aller mettre le chebu. Hop. Voilà, comme ça c'est chiant. Ok, il a fait de la merde et là, je pense qu'on peut spam. Ok, on va mettre le histoire bombe. J'ai très peur de la rater, sachez-le. Et là, il a plus de bûche. Ça, c'est pas mal. Là, on va encore aller protéger notre princesse. Et là, le problème, c'est qu'il a recyclé son cochon. Et moi, j'ai pas recyclé ma tour à bombe. Donc là, s'il joue bien, ouais, il s'élise. Mais là, je peux pas faire grand-chose. Je viens de faire un gobelin défense. Ok, ça va. Wow, heureusement que le mec, il a fait de la merde à la fin. Il m'a fait paniquer le bougle, hein. Bon, à la fin, ça arrête qu'il connecte, là. Ça m'a pas mis dans le bien, ça. Ça m'a vraiment pas mis dans le bien, sa reine qui a connecté. Bon allez, on part tout de suite dans cette dernière game de la vidéo contre Felix 2009. Allez, c'est parti, bonne chance mon frérot. Là on a double fût, du coup pour remettre double fût first play. Ok, mais c'est cochon. Ouais, voilà, j'ai bien fait de mettre là parce que je m'en doutais qu'il allait tenter de partir à gauche. Hop, ok, là on se tape du coup le deck classique, donc avec cochon royaume et pas cochon. On a un moins bon matchup encore parce que c'est encore plus chiant de défendre un cochon royaume, enfin des cochons royaume. Après on a la Valkyrie qui est quand même plus utile du coup. Alors heureusement qu'on a eu un très très bon début de game, sinon c'était game, c'était sûr. Ok, un petit prince au pont, on va jouer sur ça je pense, les princesses au pont. Bah là forcément, on va les mettre deux coups. Et déjà on se met très très bien ce début de game. Ok, on va laisser gratter l'esprit, j'ai pas trop le choix. On va devoir laisser gratter et là je vais tenter direct le double pré-shot les gars, regardez-moi le double pré-shot carrément. Eh ouais frérot. Ok ça va, il a eu la shot que son colis il a mis derrière et pas devant. Bon allez la petite bûche. Allez, petite chebu ici. Tranquillement, on va attendre que ça meure. On va mettre une princesse au pont. Hop. Petite princesse au pont ici, bien relou. Ok, il est obligé de bûche. Je pense que je vais mettre bien mes squelettes au pont. Voilà, on va essayer de garder une pression assez constante pour qu'il puisse pas trop attaquer. Voilà, je sais qu'il a plus de bûche, du coup ça peut être pas mal. Ok, ça, très bien. On a la tour à bombe ici pour aller défendre ses cochons royaux. Ok, c'est parfait. Plutôt clean là. On va aller mettre le feu squelette ici. On va essayer de garder quand même, comme je vous le dis, on garde une pression constante. Alors là, on doit pas le lâcher. Moins mettre cochon royal, plus on a de chance de win. Ok, avec le gobelin à sa bacane, on va tout de suite défendre. Je pense qu'on va mettre une bûche ici. Hop. Ok, là il a bien pré-shot. Je pense que c'est de la chatte ou il a fait exprès. Ok, ça va. Là, mon armée squelette n'était pas nécessaire. Mais là par contre, attendez, je vais tenter un truc. Hop. Ok, princesse au pont. Il a bien wedge. Ok, là par contre, ouais, ça va faire mal là. Ça fait mal, la princesse qui connecte malheureusement. Et là il a plus de bûche encore une fois. Grosse erreur de sa part hein, de mettre sa bûche sur ça. Parce que là on a du coup notre dessus. On va les bûches tout ça. Là même s'il met sa capa c'est pas trop dérangeant. Voilà, tout simplement parce que comme ça va aller du coup mettre un coup. Là on va aller une princesse pour aller snipe la reine. Sinon on met la tour à bombe bien ici. Hein. On est bien ici comme ça. Voilà, on esquive le pré-shot. On va aller mettre l'armée squelette ici pour défendre la reine au cas où il active la capa. Et on va tenter un pré-shot bûche. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un pré-shot bûche peut-être. Et c'est quoi, il est en retard, j'aurais dû bien mettre. Et là, on a juste à cycler les bûches et on a win tout simplement. Ok, là, on a bien évidemment. Il a pas l'air d'avoir de 6, donc je sais pas ce qu'il prend sur 6 lui. Voilà, il le sait, hein. Il le sait que c'est super combat, il ne passera pas. Là, il a bien 6, moi je sais pas pourquoi il n'a pas joué ce. Bon.
Bon, en tout cas, épisode parfait. Hein. Moi, je dis épisode parfait. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Nous sommes en 9-1. En super défi, c'est plutôt cool. Pensez-nous la gare, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon tuto double fus, vous avez bien compris comment je le deck, comment gérer les matchups. On n'a pas croisé de molos, on a croisé deux matchups compliqués. Enfin, on a croisé deux hard counter et deux matchups compliqués. En tout cas, si vous avez d'autres suggestions de deck, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, c'était Brécou. Ciao.